Salut, chers amis, c'est Necros, la seule, l'unique me. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Singularity. Alors, je dis nouveau parce que je ne sais absolument plus où est-ce que j'en suis. Et pour tout vous dire, j'en ai absolument rien à carrer, voilà. Bref, allez, c'est parti, chers amis, on va continuer. Je ne sais absolument plus ce que je suis venu foutre ici. Donc, écoutez, on va avancer. Et on verra bien, il n'y avait absolument rien, si, un plan. Ah, il me semble que j'avais déjà ramassé. Ça régénère 25% de la santé hors combat. C'est de la merde. Bien. Ah oui, ça, je me rappelle. Faut que je ramasse un... Enfin, que je trouve un masque à gaz parce que ça pue la mort par ici. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Enfin, bref. Allez, j'en ai absolument plus rien à carrer de toute manière. Je vous le dis, hein, je vous l'annonce, hein, de toute manière. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Je vous en prie, arrêtez, il en est hors de question. Allez tous vous faire foutre. Ok, l'autre il a causé, je sais pas s'il fallait que je l'écoute. Alors j'entends des bruits dans un coin. Bonjour monsieur, voilà, ça c'est fait. Ah oui, c'était le bonhomme Ghostbusters. Je sais pas si vous en rappelez, c'est pas bien grave. Allez hop, un petit masque à gaz. On va rien y voir. Putain, on se croirait dans BioShock quoi. Oh la vache. Fusil Seeker, bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la merde. D'accord, j'ai 4 munitions du fusil Seeker, c'est une blague. C'est juste une putain de blague. Je sais pas ce qui se passe, ma manette a vibré très fortement là, il y a 5 secondes. Là, j'ai pas tout à fait compris ce qui venait de se passer. Par contre, cette respiration aquatique va me gonfler sévère. Utilisez des bouteilles d'oxygène pour vous réapprovisionner en air. Bien. Bien, 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 bien. Ça, ils ont pas l'air trop... Je suis censé voir quelque chose, là. D'accord. Bonjour. Ils ont pas l'air trop radins sur les bouteilles d'oxygène, en tout cas je pense que je vais pas être trop dans la merde en termes d'oxygène, forcément. D'accord. Je comprends pas tout ce qui se passe. Je sais pas en fait si je suis... Je veux. Si je suis censé voir quelque chose genre des fantômes. Dans les couilles, enculé. Voilà, ça c'était gratuit. Est-ce que je peux éventuellement passer... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Je vais pouvoir passer de ce côté-là. De toute façon, j'imagine qu'il faut se servir de cette caisse pour un... une raison ou une autre. Je sais absolument pas pourquoi faire. Putain, par contre, ouais, mon oxygène se vide quand même assez vite. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, chers amis. Valise. D'accord. Tac, je ramasse. Genre, je peux pas péter ces merdes-là, quoi. Bon, de toute façon, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien de l'autre côté, je veux dire. Ah, quoique, non. Cette respiration qui va devenir lourde. Oulala. Hop, on ramasse toute cette merde. On rouvre le passage et on est reparti. Capitaine, oui. Attention, les soldats de Dimitrev sont proches de votre position. On m'aurait étonné. Et votre signal commence à faiblir. En même temps, les mecs, ça fait au moins 2 épisodes que vous me dites qu'ils sont proches de ma gueule. C'est bon, quoi. Elle est où cette caisse? Et là, salope! Je saute! Bon, bah, du coup, j'aurais pas ramassé l'amélioration d'armes, ça me fait chier. Pour tout vous dire. Bon, bah, tant pis, hein, tant pis. Franchement, tant pis. C'est quoi cette merde? Casse-toi! Ah! Recharge. Ah! Barrez-vous de là! Ok, ça a l'air d'être tout. Ramasse-moi ça! Ah, oh, genre, je suis au max. Ce qui fait chier, c'est que je peux pas le recharger manuellement, en fait,
l'énergie MT. Ça, ça fait chier quand même, ça fait chier. Bon. J'essaye d'avancer dans cette télé, bah, parce qu'il n'y a pas forcément d'autres mots pour y appeler. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis censé avoir activé quelque chose là. J'ai l'impression d'entendre... Ah putain! J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose qui s'est activé, mais... Je sais absolument pas ce que c'est. D'accord. D'accord. Ok. Alors on va savoir à quoi ça sert. Pour l'instant, j'en ai absolument aucune idée. J'imagine qu'on va le découvrir d'ici peu. Je sais même pas en fait si ça va me servir à quelque chose. Ça se... Ouais. Ça se trouve, ça ne va absolument pas me servir du tout. Ce que j'ai activé là. C'est quand même pas forcément très rassurant cette histoire, hein. Moi je vous le cache pas. Ah bah toi mon grand, t'as voulu attraper un masque à gaz. C'était un petit peu tard, hein. Attendez. Je vais déjà fouiller les lieux. Waouh. Y'a rien, y'a quelque chose qu'on est sorti là ou quoi? Non. Bon, je comprends rien. Oh, je l'ai ramassé. Par contre, j'aurais bien voulu aller de ce côté-là, moi. Un augmenteur. J'aurais bien voulu aller de ce côté-là. Putain, fais chier, faudrait que je retrouve la caisse. La caisse qui était... Putain, fuck! Ah, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser la gueule. Du coup, je pourrais jamais avoir la techno-arme qui devait être de ce côté-là. Du coup, à mon avis, il fallait passer dans ce petit trou d'aération pour aller la ramasser. Ah non, j'ai pas d'autre caisse, quoi. Ah, putain. Deux secondes. Excusez-moi. Là. Bon. Est-ce que j'ai quelque chose à foutre là-dedans? Augmenteur. J'ai 4260 99. Trousse de soins que vous soignez plus vite quand vous ne sprintez pas. Pierre de coups, fouille experte. Ouais. Le cadenas, du coup, je m'en sers jamais. Putain, j'y pense jamais à ce truc là, c'est incroyable. Poumon d'acier, ferme-la, putain, mais c'est une horreur. Cette respiration me stresse. Réduis tous les dégâts, allez, tac, ça sera fait. Améliore l'efficacité des trousses de soins. Ouais. Tac. Et j'ai pas assez. Tant pis. Allez, ce sera bien assez suffisant. Ouvrons la porte. Par contre, ce qu'il me faudrait du coup, c'est les bouteilles d'oxygène. Parce que là, je vais pas tarder à crever. J'en ai pas dans le coin. Il y en a une là. C'est fait. Putain, ça redonne rien. Ça redonne juste un coup. Fuck! C'est dégueulasse! C'est de la triche! Merde. Ah putain! Ellipse! Heureux! Voilà, allez, ça y est, on est reparti. On va essayer de pas déconner. Merde, putain! Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire en fait, à mon avis, c'est ça. Je suis pas sûr qu'elle s'ouvre la porte là. Bon! Eh ben. D'accord, en fait, là, il n'y a pas de vitre. Putain, fais chier, je vais crever d'une minute à l'autre. Non, mais vas-y, c'est de l'abus. C'est de l'abus. Non, mais vas-y, j'en ai marre là. Bon, allez, crève, me fais pas chier. Encore un petit peu. Voilà. On va recommencer le point de save parce que là, ça me gave. Je comprends pas, il y a une vitre ou il n'y a pas de vitre?
C'est quoi cette merde? Ça m'énerve. Bon, allez, dépêche-toi. Mets-toi le cul, mets-toi le cul, mets-toi le cul. Où est-ce que je suis? Bien, bon, bah ça m'arrange, tiens, comme ça je vais pouvoir récupérer une caisse. On va essayer de pas faire le con cette fois-ci. Je sais même pas si c'est possible en fait. Attends, ramasse-moi ça, voilà. Tac. Toi, viens avec moi. Viens avec moi, je te dis. Ah putain, me fais pas chier, hein. Genre, faut que je la ramasse bien droit. Ça passe pas. Si, ça passe. Ouais, ouais, si tu veux. Allez, ça passe. Ça passe, me fais pas chier, ça passe. Putain. Bon, est-ce que je peux faire ça dans l'autre sens? À mon avis, c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse, mais bon. Allez, c'est bon, vas-y, ça passe. Ça passe, Osef, j'en ai rien à foutre, je suis en train de faire bugger le jeu. Je m'en contrebranle. Allez, on avance, ma caisse, allez, on avance, la grosse caisse. Allez, la caisse à outs, là. Et voilà, j'ai fait bugger le jeu. Chers amis, j'avais oublié ces tocards. Mais t'es mort, toi, en vrai. Putain. Oh, fuck. T'es mort, je te dis. Y'en a d'autres. Ils sont où les enculés? Ils sont où les enculés? Hop, et un peu d'oxygène, ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais, je suis au max. Ouais. Je suis au max. Tac, je prends. Je viens de faire bugger le jeu, chers amis. Ah, mais il y en a. Je crois qu'il y avait une caisse dans le coin, non? Non, je dis de la merde. Putain, par contre, ça m'a fait respawn loin en fait. Je pensais pas que j'étais si loin que ça. C'est pas grave. Ah putain de mur de merde. Tac, allez. On se mine le cul, Air Max, ok. Air Max. Non, ce n'était pas de la pub, les amis. Allez, on va activer ça, même si je suis convaincu que ça ne sert absolument à rien. Toi, tu viens avec moi. Et merde, j'aurais dû faire ça avant. Voilà, toi tu viens avec moi, j'ai dit. Tac, 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 tac. La 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 la. Allez, avance, salope! Voilà. Là. Voilà. Là, je sais même pas s'il y a quelque chose qui était censé en sortir de ce truc. Non, genre, en fait, je peux pas y aller. T'es sérieux? C'est prévu pour que je ne puisse pas y aller. J'ai vu tout ça pour rien. Bien, 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 bien. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais essayer quand même. Quitte à tricher, autant le faire jusqu'au bout. Bon, ça ne veut pas marcher. Non, je ne peux pas aller ici. C'est pas grave. Bon, du coup. Il n'y a pas de vitre, on est bien d'accord, putain. Incroyable, ça. Allez, on va recommencer ça. Je suis désolé, je vous fais perdre du temps, les amis. On avait dit protection et amélioration de l'efficacité des trousses de soins. Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Utiliser. Oh là putain, ça me la met là. C'est quoi cette merde? Ouais, ça se trouve, c'est encore pas ça qu'il faut faire. Ouais, j'en sais rien. Honnêtement, les amis, je vois pas du tout d'autre solution. Ah, peut-être la caisse que j'ai amenée. Ouais, non, mais alors attends, si c'est là. Ouais, mais non, même pas. Même pas. Même pas. J'ai de la merde parce que là, faudrait que je puisse la pousser cette caisse, mais ça marche même pas. J'ai rien d'autre à faire ici. Hein. J'ai absolument rien avec quoi interagir. Hein. Ah non, mais je vois que ça hein. Je vois que ça. Sauf que là ça veut pas. Va savoir pourquoi ça ne veut pas. Mais je comprends pas. Sans déconner. On va essayer comme ça. Ouais, voilà. Le
Je sais pas. Des fois, le jeu ne veut pas me laisser jouer, quoi. C'est juste incroyable. Ouais, je t'entends. Ouais. Ah, tu me casses les couilles, toi aussi. Hein. Ouais, je suis censé aller faire péter une bombe 99 pour empêcher Demitchev de devenir le roi du monde, le maître du monde. Sauf que j'en ai absolument rien à foutre. Ce sont des problèmes qui ne me concernent pas. Enfin, ça me concerne... Abruti. Abruti. Ah bah tiens, t'es bien, toi. C'est à cause de toi qu'il y a tout ce merdier, là. Hein, c'est à cause de toi, espèce d'enculé, là. Putain. Abruti fini, quoi, sans déconner. Bonjour. Alors, attendez, on va ouvrir cette faille tout de suite. Après... Ferme-la. Je suis censé monter là-haut, a priori. Je vais quand même ouvrir ça au cas où. Ya! Eh, pourquoi j'ai pu... Voilà. Pourquoi j'ai pu mon seeker? Fait chier, ça. D'accord, en fait, c'est juste pour qu'on puisse ramener une caisse vers l'autre monde. C'est complètement Inception-like, le truc. Hop là. Je suppose que ça spawn. J'ai plus mon seeker. Mon seeker a disparu dans les ténèbres, quoi. Putain, c'est juste un... Non, mais c'est de l'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu, les mecs. C'est de l'anti-jeu. Je conteste! Putain, c'est incroyable, quoi. Tout est fait pour me faire rager. Toi, ta gueule. Tout est fait pour me faire rager dans ce jeu, quoi. C'est une horreur, c'est une horreur. Bon, en même temps, pourquoi t'y joues, connard? Je sais pas. À vrai dire, je sais pas, chers amis. Ok, enlève ton masque à gaz. Ah, merci. Cette respiration qui commence à me rendre barge. Pas encore. Je suis pas encore à l'extérieur, mon grand. Je vais te détendre. Ouvre la porte! Merci. Ok, c'est toujours aussi dégueulasse, c'est toujours autant le bordel par ici. Ouh, j'ai vu quelqu'un là-bas. C'est qui ça? Merde. J'aurais pas dû faire ça. Est-ce que j'ai quelque chose à améliorer? J'ai pas de techno-arme, voilà, forcément, l'autre, je l'ai loupé. Putain, ça fait chier, ça. Ça fait chier, ok, là, je suis full. Et merde, putain. Non, mais ça, je m'en fous. Ce qu'il me faudrait, les mecs, c'est des munitions. Putain, une techno-arme. Non, mais vas-y, c'est de l'anti-jeu. Est-ce que je peux tricher avec le jeu? Non, c'est pas ça que je veux. Putain, ça veut pas. Hein. Ça veut pas. Bon. Allez, vous faire cuire à la cul, bande d'enculés. Tiens, toi, transformation. Et allez, démerdez-vous avec ça, les mecs. Genre, je peux passer par là? Non. Bien, bon, j'ai vu qu'il y avait une caisse ici, que je suppose faut que j'utilise à bon escient pour pouvoir grimper là-haut. Oh, bonjour. Non, je suis full, j'ai dit. J'ai dit que j'étais full. Vous voyez, c'est chiant. Je suis mid-life, enfin, en termes de... En termes de... d'énergie 99. Et le problème, c'est que je ne peux pas me recharger manuellement. Du coup, ça me fout dans la merde. Enfin, dans la merde, non. Ça me fout pas dans la merde, mais... Ça fait chier, comme ça, du coup, je suis pas full, quoi. C'est ma merde. Bonjour, messieurs, dames. Enchanté de vous connaître. Allez vous faire mettre dans les ténèbres. Bon, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Ah! Ta gueule! Voilà! Aïe! Ça pique. Ta gueule! Ok, une trousse de soins. Que je vais pas tarder à utiliser, je pense. On va vous faire mettre... Ouh, y'a du pipan! Plan B! C'est tout?
Ta fiole. Hop, ça je ramasse. On recharge. Ok, ça je m'en fous. J'ai vu un truc qui brille, un petit énergos, ça fait toujours plaisir. Je les ai complètement démembrés les mecs, hein, putain. On se prépare. Ta gueule. J'ai bien fait de me préparer. Ok, la lampe qui s'est... La lampe qui s'est éteinte subitement. Je suppose qu'il faut pas chercher à comprendre. Putain, je suis full en tout. Je vais pas aller voir là-dedans, ça ne sert à rien pour le moment. Energos. Machine à écrire. Ok. Ce c'est que ce champ de protection complètement glauque. Alors j'ai vu que je pouvais le désactiver, vous inquiétez pas les amis, pas la peine de me le gueuler dans les commentaires. D'accord, j'étais de ce côté là tout à l'heure. Donc il y a moyen d'atteindre le... Bah il y a forcément moyen d'atteindre le bordel là. Le comment, l'amélioration d'armes. Bon, ok, apparemment j'ai pas d'autre choix que d'aller par... Ah, quoi que... Non, ça je m'en fous, ça je prends. Merde, je voulais pas recharger, ça sert à rien. Bien. Tac. Ouais. Et c'est reparti pour l'alarme. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mon gars. Ok. Des volontaires pour tester mon arme épique. Il est de mouche, exactement. J'aurais pas dit mieux, l'ami. J'aurais pas dit mieux. Ça brille, ça brille, ça brille. Ok, je peux aller là, ouais. Ça me fait chier parce que. Il y a une autre. Attends, comment on fait déjà? Voilà, comme ça. Ok, donc je vais déjà aller faire un tour là-bas. C'est complètement dégueulasse. Ça me choque même plus. Ok, ça je ramasse, c'est bon. Même si du coup c'est trop tard, mais bon, c'est pas grave. Energio, je suis full. Ok, y'a rien d'autre ici. Cassons-nous d'ici. Barrez-vous de là. Bonjour, mesdames. Bam. Explose-moi cette merde. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Au suivant. Qui veut se faire refroidir le cul? Oh! Merde! Je me suis refroidi tout seul en fait. BAM! Ah, ce que c'est bon! Pas besoin de me soigner, c'est bon. Là, je ne peux pas avancer chargement. Pardon? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Vous allez connaître la puissance du Necros. Machine écrine, téléphone. Apparemment, c'est occupé. Ça a l'air de bombarder sévère à côté de moi. Pour l'instant, je ramasse. Je fais un petit tour du propriétaire. Ça ne vous dérange pas trop, les mecs? Ok, ils sont où les tocards? Bonjour, qu'est-ce que c'est que cette merde? Butez-moi cette saloperie à la con! Allez, crève, salope! Crève, je te dis! Voilà! Bonjour, mesdames! Enchanté de vous connaître! Bien! Voilà! C'est comme ça qu'on règle les problèmes! Par ici! Utilisons! Bonjour! Bienvenue dans ma ville. Je t'ai vu toi là-bas. Toi aussi je t'ai vu. Je peux rien leur faire à ces tocards. Bon bah allez-y, téléportez-vous. Faites. C'est pas moi qui vais vous en empêcher. Enfin pas pour l'instant tout du moins. Ça je ramasse. Putain, deux techno-armes, ça fait plaisir. J'ai vu un casier, voilà. Tac. Ok, bon, y'a rien d'autre à utiliser par ici. Putain, il y a l'air d'avoir beaucoup de faces de cul qui se travaillent par ici.
de face de cul bleu. Putain, non, mais c'est une blague, les mecs. C'est une blague. Aïe! C'est juste une putain de blague, quoi, sans déconner. Puis ça, ça ne fait absolument rien. Du coup, je suis obligé de niquer mes munitions dans cette merde. Bon, bah, lui, je peux pas l'avoir. Ah, ça, c'était gratuit. Va peut-être falloir arrêter de me prendre pour un con aussi, par contre, là. Hein. Non. Voilà. C'est complètement désert. On se soigne et on ramasse. Bien. Le 99 pourrait être transporté dans des wagons jusqu'au. Wouah! Oh! Oh! Mourez, bande de putes! Allez tous vous faire foutre! Oh! Oh! Wow! Détends-toi, mon gars, par contre! Détends-toi! Est-ce que je peux faire un truc épique? Vas-y, tire! Oh! Lâche ton bouclier, voilà. C'était épique. C'était plutôt épique ce que je viens de faire. Spike shot, ok. Oh putain! On fait peur ces merdes. Ah, j'aime pas, c'est tout, j'aime pas. Ok, donc c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Quand même aller faire un tour si je peux. Non, je peux pas. Ah, par contre, il y a des bruits qui me dégoûtent. Des bruits qui me débectent au possible. Ok. Ramasse-moi cette merde. Ils sont où? Je viens de le ramasser. C'est seulement maintenant que tu me dis comment on s'en sert. Bon, maintenant L1 pour tirer une roquette à tête chercheuse qui suivra la cible selon cette roquette utilisée par l'armée tire des roquettes explosives. J'avais cru comprendre. Merde, il est mort. Détends-toi, gamin. C'est quoi ça? Genre, ça tire des missiles, cette bestiole. C'est une blague. Il y a un système de lock ou pas? Pas l'air. Par contre, va peut-être falloir que tu meurs un jour, toi. Non, mais sans... Non, sérieusement. Aïe! C'est bon, c'est mort. Toi, tu le sais pas encore, mais t'es mort aussi. Oh! Waouh, le frise des ténèbres! Le frise des ténèbres! J'ai ma console qui a crash, c'est pas grave. Voilà, chers amis. Donc voilà, après ce magnifique freeze que j'ai eu de ma console, il a fallu que je la réteigne et que je la rallume. J'ai rebuté ces deux connards. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je ne sais absolument plus où j'en suis dans mes enregistrements. Mais c'est pas grave, on va continuer à avancer. De toute manière, on s'en contrefout, toi, ta gueule. Voilà, ça c'était gratuit. Je pense que t'as dû le sentir. Ou pas. Je pense que t'es carrément mort sur le coup, tout simplement. Voilà. Allez, bref, on arrête de raconter de la merde, Necros. De toute façon, je ne fais absolument que ça, j'en ai rien à foutre. Où j'en suis, ça je m'en contrebranle. On va continuer à avancer un peu, je sais pas si je vais trop vite pour le jeu. Enfin, ça m'étonnerait clairement. Bonjour, messieurs, dames. Attends, je vais essayer de se faire dézinguer par les tarentules géantes, là. Ça arrive. Ça arrive, les mecs, retournez-vous, je serai vous, je regarderai derrière moi quand même. Oh! Ta gueule! Ne m'approche pas! Aïe! Plus de munitions. Ok, bon, moi, comme ça au moins, c'est plus simple. Je ramasse ça. Je déclenche ça, là-dedans il n'y a rien, là-dedans il y a ça, il y a une note.
Mon voisin est vraiment un pauvre type. Si j'achète une fourrure d'ours, il court s'acheter une fourrure d'ours. Si j'achète de la viande en conserve, il va s'acheter de la viande en conserve. Mais si j'achète du matériel de 99, eh bien, il ne peut pas se le permettre. Bien fait. Ok, bon bah super, c'était super intéressant. Bonjour monsieur. Non mais en vrai, tu meurs. Waouh, tu vas te détendre quand même, mon gars. Tu vas te détendre tout de suite. L'autre, je vais balancer deux coups de 99 en pleine tronche. Mais non, Osef quoi. Osef. Ok. Genre, je peux porter que 9 munitions dans cette merde. C'est une blague. C'est juste une blague. C'est une blague. Aïe. Tu vas pas me faire croire que ça passe pas à travers ça. Ah, quand même. Merde, quand même. Bon, par contre, lui, il est complètement débile et il ne me peut pas. Il ne peut pas m'atteindre. C'est pas plus mal. On va le défoncer comme ça. Hein. On va essayer de. Voilà, ça en fait toujours une de moins. Ça devrait passer là, voilà. Je vais pas descendre inutilement, hein, chers amis. Je vais déjà y aller comme ça. De toute façon, d'ici, ils peuvent pas m'atteindre, eux. Wow, mais il y en a combien, par contre? Il y en a trois. Détendez-vous, les mecs. Vous ne passerez pas. J'ai plus de munitions. Je ramasse. Bonjour, madame. Ma belle tarantula. Bam. Ça en fait une de moins. J'ai, comme qui dirait, l'impression que c'est un spawn infini. Je vais utiliser mes 6 dernières munitions sur cette merde et puis. Ouais. Mes 5 dernières. Wouah! L'autre, elle est dissidente! Détends-toi, ma grande! Par contre, elle me fait mal, hein, la salope. Hein. Allez, vas-y, crache ton venin. Ah, oh, bah, elle est morte. Comme ça, c'est plus simple. Oh! J'ai fait d'une pierre le coup. Allez. Et. C'est vraiment de la merde, ces bestioles. Hein. Elles sont complètement cons, elles viennent toutes crever au même endroit, quoi. Ok, allez, donne-moi ça. Ça fait que, du coup, j'ai encore mes deux. Ah non! Ça m'a lâché ma mitrailleuse auto. Ben c'est pas grave, on va changer un petit peu de gameplay, ça ne sera pas forcément un mal. Non. Bon bah tant pis. Ah c'est vrai, c'est le truc holographique, pourquoi je ne peux pas tirer? Ah oui, c'est vrai. Il faut que je reste chargé avec cette arme. Wouah, détends-toi. Aïe. Bon, vas-y, tire. Allez, vas-y, crache ton venin. Allez, putain. Comme par hasard. Tiens, bouffe-moi ça, on en reparlera, salope. Ça fait mal, hein. Tiens. Oh. Cette arène complètement gratuite. Ouais, bon. Ouais, y'en a trop, là, c'est bon. Non, mais sans déconner, les mecs, quoi. Allô, quoi. Aïe! Non, mais ça va pas, la tête! Wouah! Vas-y, tire! Tire, enculé, tire! Je sais pas, des fois, ils veulent pas. Eh bah, allez vous faire, mec. Allez donc vous faire cuire le cul, les mecs, j'en ai rien à foutre. Voilà! Comme ça, le mot cuire le cul et foutre dans la même phrase, c'est juste complètement dégueulasse. Mais bon, on ne fera pas. On n'en fera pas l'objet d'une discussion, chers amis. Je pense que c'est déjà bien assez salace comme ça. Parce que c'est que ces néons complètement glauques. Ouvre la porte! C'est avec quoi je pouvais interagir là? Ok, super utile. Ah, quoi que si, bah si, je suis con, ça aurait pu me protéger, ça. Pas grave. Vous devez être dans le complexe. Sûrement. Il y avait tellement de 99 ici que des failles temporelles apparaissent spontanément. D'accord. Trouvez une faille. Vous devez retourner en 1955 ou plus vite. D'accord. Un mec qui me dit ça en vrai, non, va te faire foutre. Hors de question. Ah, quoique, je suis con. Bah non, oui, je suis con, clairement. Bref.
Je raconte de la merde, ouais, et alors? Allez, on va s'améliorer un coup. Enfin, je crois que... Il me semble que j'ai deux... Ouah, je suis fou, là! J'ai deux techno-armes. Je sais pas, on fera ça dans le prochain épisode, chers amis. Voilà, parce que je sais plus où j'en suis dans mes enregistrements. Donc voilà. Allez, sur ce, chers amis, moi je vous dis à bientôt. C'était l'épisode 13, si je ne m'abuse. Parce que j'ai regardé tout à l'heure, il me semble que c'est ça, ouais. Pour une fois, c'est plutôt bien passé. Enfin, quoique. Je dis ça. Mon fichier est déjà séparé en 3 fragments, dont un putain de freeze de ma console. Mais bon, à part ça, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Allez, sur ce, chers amis, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Singularity. C'était Necros, le seul, l'unique.